Salut tout le monde, c'est Jordan. Je fais n'importe quoi. Bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour la suite, enfin, de Mystery Caseville, la traque du revenant édition collector. On va passer au bonus. Les bonus! Tout le monde en rêve des bonus. Toutes les nuits, il y a des fantasmes, c'est incroyable. Bienvenue, donc, c'est Jordan. Comme d'habitude, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner ou à laisser un petit pouce bleu. Quoi, un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Genre le mec qui est membre dans la rue, t'imagines. Ouais, je pars déjà trop loin et pourtant, j'en suis qu'à mon premier café. Petite session donc, voire session pour boucler une bonne fois pour toutes ce jeu et passer au prochain Mystery Caseville qui est sorti d'ailleurs hein, sur Big Fish Games. Il est sorti au mois de décembre, donc du coup, ça va être l'occasion. Du coup, on va faire les bonus. Les bonus, très nombreux, puisque on a notre chapitre bonus et on a pas mal de trucs encore à récupérer. D'ailleurs, il y a les musiques du jeu et ça, je pense que je vais les shipper. On va jouer donc au chapitre bonus en mode difficile. Non, ouais, dit difficile. C'est parti. I'm sure it was nothing. Go back to sleep, Holly. Deux ans plus tard. We can go. You deserve a break. Let's go! Et sur l'écran de télé, c'était pas les images de la cinématique du premier, enfin du Mystery Caseville précédent. Je crois, hein, j'ai un doute. Bon, on va à l'hôtel parce qu'on a gagné. Allez, pousse-toi! Je garde toujours quelque chose d'elle à mes côtés. Alors, ok, un bout de Barbie. Un objet métamorphe. Le fusible de la radio est cassé. Hop. Poignée de boîte à gants. Tac. Alors, ma petite navigatrice, où va-t-on? Je m'en occupe, papa. D'accord, très bien. Tout va bien. Alors là, il y a des symboles bizarres. Poignée de la fenêtre. D'accord. Pourquoi il y a des énigmes même dans la voiture? Faudra m'expliquer un de ces quatre. Hein. On va mettre... tac, aide. Sélectionnez et placez les fusibles dans les bons emplacements selon les symboles allumés. Mm-hmm. Soleil... Alors, c'est quoi qui est allumé sur la batterie? La batterie! La batterie! Moins et plus. Donc, hop. Là, c'est comme ça. La voiture et la clé. La voiture. Mmh. Et la clé. D'accord. Donc, là, il est bon. Et là, il est pas bon. Maintenant que c'est réparé, écoutons la radio. Il me faut des nouvelles fraîches. Oui. Et comment qu'on fait? Il me faut des nouvelles fraîches. Ouais, j'aimerais bien, mais...
Ah, il me faut peut-être la fréquence. Oui. Et comment que je fais pour savoir? Oh! On va bloquer avec la tête de Barbie. Désodorisant pour voiture. 98.3. Le ciel est sans nuages et toutes les routes de cette zone sont ouvertes. Bon voyage! Bien, on est arrivé. Myers Roadside. Waouh, cet élan est extraordinaire. Ouais, mais le motel, par contre, il est tout pourri. Hein. Il me faut du tissu pour retirer ces fragments. Voici votre jeton gratuit pour le Limassan. Bon séjour. Besoin de récupérer une clé à la réception pour entrer dans la chambre. Alors, je fais déjà du... Je regarde déjà partout. Hein, je... Il n'y a personne ici, mais c'est très agréable. La sonnette ne fonctionnera pas sans sa cloche, évidemment. Est-ce qu'il y a un objet métamorphe? Ouais, il y a un objet métamorphe. Trouvé. Anti-rouille. Pshop. Le personnel du motel aurait pu s'en occuper, hein. J'avoue. Là, il y a un casier pas ouvert. Bon. Oh. Bon, on va sonner. Ding ding, bonjour. Ah. Oh, vous êtes l'heureux gagnant. Bienvenue, mes chers. Je vous prie de m'excuser pour le fouillis. Nous avons perdu l'homme à tout faire il y a quelques années. Il est mort. Depuis, c'est resté comme ça. Vous allez tous mourir. C'est quoi? Ça serait quand même très très glauque si c'était ça. Genre la mégère qui gère l'hôtel et qui est en fait une grosse psychopathe. Je vous prie de m'excuser, j'ai des choses urgentes à faire. Votre clé est par ici. Passez un bon séjour. Quel accueil agréable. Eh bien, trouvons la clé d'Oli. Oli, pardon. Alors. Coccinelle. Coccinelle. Symbole dièse. Clé de chambre, ours en peluche. Pince à feuilles, aigle. Est-ce qu'il y a un... Ah oui, il y a des trucs à collectionner, je me rappelle. Est-ce qu'il y a ça? Crème glacée. Ah, il manque un truc. Guitare, fleurs, collier. Here we come to save the day. Précision. Clé de chambre. Trouvez votre clé de chambre. Bon bah ça c'est fait. Trouvez votre chambre. Et ça, ça va être moins drôle. Oh. Papa, nous devons partir. Immédiatement. Vite. Entrons dans la chambre. Bonjour.
Il nous a suivis, il est juste devant la porte. Nous devons le repousser puis aller vers la voiture. Ouais, c'est glauque, très glauque, très glauque. Un jeton pour le limaçon. Hop. Waouh, heureusement que personne n'était sur le lit. Ah, il y a un objet métamorphe. Celui-là. Il nous manque... Tac. Il nous en manque encore un. Salle de bain. Qu'est-ce que c'est que ça? Il manque la plaque d'immatriculation sur le pare-choc. Ouais, bon, bah... Tant pis. Oh, un ressort matelas. D'accord. Allons dans la salle de bain. Waouh! Venir ici était une grosse erreur pour plusieurs raisons. Ouais, c'est très très glauque. Ah, regardez. La poignée à la toilette a disparu. Tac. Eh, c'est glauque. Est-ce que... Ouais. Que pourrais-je utiliser pour le dévisser? Brise-vitre? Non. Pas de triche. Ok. On a récupéré une salière. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer? Parce que je sais qu'il y a, des choses, il y a des bouts de lettres sur certaines scènes. Pas toutes. Pire, on va bien voir. Hein. On va bien voir. Ampoule. Sifflet ail. Pièce d'échec. Os, dents, crayon, fusil. Ouais, je pense pas qu'il y ait de papier, donc ça veut dire que les papiers, on peut les récupérer autrement. Ail et dents. Dents. Et de l'ail. Aïe, aïe, aïe. Voilà, bingo. On a récupéré donc un fusil. On peut mettre du sel. Donc un ressort d'un étui à fusil. J'ai pas ce qu'il faut pour l'instant. Tant pis. Alors, donc on va mettre la canette. Ici, je pense qu'on va avoir droit à une énigme. Citron, banane. J'ai pas très bien compris, mais j'ai réussi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il me manque un bout toujours de la plaque d'immatriculation.
Ah! Brise-vitre. Bingo. Plaque d'immatriculation. Eh ben écoutez, c'est parti pour une super énigme! Entrez les chiffres cachés dans les symboles de la plaque. Sélectionnez un chiffre pour le modifier. Ouais. Comment que l'on fait? Ah, attendez, c'est peut-être le symbole que ça. Donc là, il y a un 4, 2, 3. Un 4, 2, 3. Ok. Ah, attendez. Tac, 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 et tac. Sélectionnez les ampoules numérotées pour que leur total verticalement et horizontalement corresponde au numéro affiché sur les bords. Oh non, du calcul! J'en ai marre! Donc là, 4. Je pense que ça va faire ça. 666, à moins que ça soit pas celui-là forcément et que du coup 7 et 7, 14. On peut peut-être faire ça. Ouais, mais non. Ça ne marche pas. 6 et 8, 14. 8, 9, 9. 10, 11, 12, 13. Donc il faut juste trouver lesquels de 2. De deux. 7. Ah ouais, alors attendez. Mais non. Donc ça doit être ces deux-là. Parce que là, il faut faire 7. Donc ça me paraît logique qu'il n'y ait qu'un seul 7 pour faire 7. Ce qui paraît logique. 14, donc là 8, 9, hein, c'est bon. 19, 5 et 2, 7. 7 et 6, ça fait 13. Et 13 et 7, ça fait 21. Donc lequel 6 et lequel... Donc obligatoirement il y a ce 7 là. Ah ben non. Et non, je suis dans la mouise. Faut que ça fasse 1. De toute façon, je suis dans la mouise. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf. Ah bah si, non, ça peut fonctionner comme ça. 19, 22. Bleu, bleu, bleu. 10, bah 17, du coup, hop. Ah, attendez, mais non. 5, 6, 7, 14. 14 et 8, si, c'est bon. Donc là, ça fait 14. Ok, du chiffre, des chiffres partout. Ed, tournez les roues pour créer la forme correcte de la clé en croix. Et enfin,
comme ça. Non, c'était pas le bon. Alors, attendez, est-ce qu'il y a un truc à faire? 2, 1. J'ai du mal à saisir. J'ai du mal à saisir. Pourtant, c'est ça. Est-ce que c'est extérieurement qu'il faut les mettre ou... faut les mettre au milieu. Voilà. Piou ! Propriétaire du motel meilleur tué par une voiture, le conducteur en fuite, dent pour dent. Quel est le rapport avec moi ? Eh bien écoutez, on comprendra peut-être le rapport dans le prochain épisode. En attendant, merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à partager, évidemment. On se retrouve demain pour la suite de cette aventure. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à ciao, bye!